Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda Batata ba mama bandeko mbote mingi pa yo api bozwa mile loto zali le 1er février jour wapi le patriarche Etienne Tshisekedi du Amulumba atika kibiso inane après qu'est-ce qui reste-t-il aujourd'hui na kati opposition lelo opposition ekotambola ndenge nini qui on peut aujourd'hui appeler opposant est-ce que aujourd'hui l'opposition a failli dans sa mission après cela avant cela le chef de l'État tenir un point de presse et pas Ewapi. À l'Obakeza, point de presse, il y a vérité. Toye, pas président, bienvenu Bambale. Président, bienvenu Bambale, bonjour. Oui, bonjour, cher ami Billy. Hein. Le 1er février, les lots 3 messes, Prinoti Bala, a organisé messe dans Ndengenaye. Félix Tshisekedi, membre de la famille biologique, il y a patriarche, basé dans Notre-Dame, et pas Ewapi, Mobake, a organisé messe dans Ndengenaye. 3 messes pour honorer les lots patriarche Etienne Tshisekedi du Amulumba. Vous, vous y étiez parmi les combattants. Le chef d'état-major, on a quatre rassemblements. D'abord, tes impressions par rapport à la disparition un an après, et puis trois mains sous les organisées le long de la ville de province à Kinshasa. En tout cas, la main dans le cœur que je réponds pour notre géré, notre chef d'état-major, notre patriarche. Moi, tant que chef d'état-major, je vous me retrouve dans mon bureau aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu y aller dans l'une de ces messes-là que j'ai citées, puisque divisé pour régner. Moi, j'ai quitté le rassemblement le 7 décembre, Patrice était vivant. Le différent, c'était juste que nous, on a voulu aller en découdre. Lui, il a dit non, puisqu'il pensait faire partie de Kabila en douceur. Ce qui était le cas, selon son combat. Bon, il a eu raison, il a eu tort, je ne sais pas. Aujourd'hui, lui, il est mort. Kabila refuse même l'entrée à sa mort, de rentrer au pays. Au pire des cas, l'espace donc, il a demandé qu'il soit enterré. On a voulu qu'on donne un espace public à ces messieurs, parce que c'est notre Mandela. Malheureusement, des espaces publics, il y en a partout, des ronds-points, mais on ne veut pas accorder un mort, puisqu'il y a un repos. Vous pensez qu'un homme comme ça qui refuse un mort, un repos, on peut réellement l'accorder encore la confiance, non, pardon. Maintenant, toutes ces promesses, c'est vrai, chacun peut s'y revendiquer aujourd'hui, être le bras droit, je ne sais pas, les fils intimes. Notamment Roger Lumbala. Mais vous savez, chez Sekhet aujourd'hui, n'appartient plus à sa famille biologique, n'appartient au monde. Donc, qui soit peut réclamer demain, être Tshisekedi à 100%, ce sera lui et ses actions. Lumbala qui réclame, ben, ça n'engage que lui. Chibala qui réclame, ça n'engage que lui. Olengankoy, ça n'engage que lui. Le Félix, le fils, ça n'engage que lui. Aujourd'hui, le peuple congolais a perdu, je dirais, le repère. Donc aujourd'hui, malheureusement, si on était des gens un peu avec le respect des morts, pour peut-être se dire, voilà, aujourd'hui c'est une messe que tout le monde vienne pour commémorer et puis après chacun part dans son camp. Mais malheureusement, même pendant le mort, il y a toujours des conflits. Après le mort, il y a toujours des conflits, malheureusement, pour le peuple congolais. Donc tout ça, c'est pas lui qui en profite. Aujourd'hui, la mort de Tshisekedi en profite à certains. Puisque cette mort aujourd'hui, ça rapporte un peu la notoriété, un peu d'argent à la famille, à qui que ce soit aujourd'hui. L'homme mort, mais il coûte cher. Ils font même peur aujourd'hui à ses adversaires. Donc, depuis son vivant, il faisait peur, et il est mort, il fait peur. Donc, pour ma part, j'en connais réellement d'abord le gouvernement, puisqu'il n'a pas pu donner à Tshisekedi son espace public. Aujourd'hui, si Kabila il a reçu son glissement, c'est grâce à Tshisekedi. J'ai dit grâce. C'est une passe droit qu'il a fait. J'assume mes propos. C'est une passe droit. Kabila a été fait mandat, son dialogue de l'OIA ne suffisait pas à gouverner le pays. Il fallait ce deuxième dialogue pour venir à faire asseoir ces glissements. Donc Kabila perd, quand il est rentré dans ce pays-là, il a reconnu Tshisekedi. Ben, après qu'il l'a renvoyé dans son village natal, et le fils qui prend le pouvoir aujourd'hui, qui a eu besoin de lui.
de là où des scientifiques sunnites. Donc il était tuerie qui a fait beaucoup pour ce pays. Et malheureusement, ses adversaires ont profité de chaque fois de sa présence et puis l'ont jeté comme un papier mouchoir. Bon, malheureusement, sa famille aussi, ils font pareil aujourd'hui. Ils profitent aussi de la mort des, du père. Et aujourd'hui, il n'est pas enterré, ça fait un an. Bon, enterré, quand on parle, enterré dans son pays, ils l'ont mis quelque part dans un caveau. Bon, c'est pas là-haut qu'il fallait qu'il soit. On a voulu qu'il soit ici, dans un espace public, comme il y en a partout. Malheureusement, c'est un refus catégorique de ce gouvernement. Merci, président Bienvenu Bambalé. Que reste-t-il de l'UDPS aujourd'hui après la disparition d'Étienne Tshisekedi? Comment voyez-vous aujourd'hui l'image de l'UDPS? En tout cas, je ne suis pas membre de l'UDPS, ni j'irai porte-parole, mais je pense que l'UDPS a failli à ses obligations depuis qu'il y a eu d'abord l'UDPS et Kibasa. Parce que pour ma part, l'UDPS, nous étant combattants en Europe, je sentais que l'UDPS était quelque chose d'un peu de sacré. L'UDPS de Tshisekedi, c'était sacré. Et 13 parlementaires. J'ai les 13, c'est un chiffre un peu mystique. Oui. Donc, après, plutôt Kibasa qui crée son UDPS, ça fragilisait un peu. Mais celle de Tshisekedi, le père, était toujours un peu en vent en poupe. Maintenant que, malheureusement aussi, au Congo, on ne prépare pas les relèves. Tshisekedi était vivant, 84 ans. Peut-être qu'il savait qu'un jour il devait mourir. J'aurais voulu dès son vivant qu'il prépare son dauphin. Donc Tshisekedi n'a pas eu le temps de préparer son successeur. Oui, ou c'est fait sciemment, il a oublié qu'il devait mourir un jour. C'est grave. Ah, vraiment, en Afrique aujourd'hui, on ne prépare pas nos enfants. Il n'y a pas le testament. Les gens meurent, après on se retrouve, qui fait quoi, qui fait quoi. Alors dans des pays d'où moi je viens, il y a un testament. Les enfants, ça va là, papa, si demain il n'est pas là, ça, c'est à nous, le huissier qui va nous appeler, l'avocat de papa, on va prendre ça. Malheureusement, chez nous en Afrique, on ne veut pas faire ça, on a peur. Alors, il avait déjà 84 ans. C'est quand même, c'était beaucoup. Il a commencé son combat vraiment à 48 ans. Tshisekedi a commencé à combattre à 48 ans. Tardivement, mais 48 ans. Donc, il a quand même combattu quand même 32 ans de plus. Donc, je pense qu'il devait savoir qu'un jour, il ne serait plus là. Comment pendant ce temps-là, il n'avait pas pensé à présenter quelqu'un comme là, on dit à Kabila, tu seras plus candidat, dites-nous. Tu seras plus candidat, qui est ton dauphin, il ne veut pas le dire. Donc au Congo, en Afrique, c'est un problème. Donc je déplore. Maintenant, il est mort, il nous laisse dans un bazar. Donc, ok, son fils, on lui fait une passe droit, très bien, mais ce n'est pas aussi un royaume. Mais maintenant, le fils qui a pris le flambeau. Mais on voit des cacophonies, on voit des loupés. Les combats des UDPS aujourd'hui, c'est fragilisé. Les anciens qui étaient avec le père, ils voient le fils, ils ne veulent plus le fils, ils disent voilà, puisqu'ils sont plus âgés que le fils, ils sont plus je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas reconnaître le fils. Donc aujourd'hui, il dépèse et fragilisé. Chibala qui dit, lui, il est le plus ancien, le plus opposant, très bien. Moubaké qui dit, il est le plus ancien, très bien, mais je ne connais pas leur conflit interne. Mais pour ma part, j'aurais voulu voir le père préparer son dauphin ouvertement, ou dire clairement voilà, ou bien j'ai mis mon fils. Bon, c'est pas un royaume, ou bien je mets c'était Tshibala ou Moubaké. Là, au moins, c'est fait comme j'ai vu Kabound arriver. Kabound est nommé, il a eu du mal avec les combattants, nous combattants de l'Europe. On l'a fait asseoir Kabound, on l'a imposé le respect aux combattants. Aujourd'hui, Kabound est respecté aux combattants, malgré au début, on voulait pas de lui. On a fait asseoir Kabound auprès des combattants. J'aurais voulu qu'il fasse ça aussi pour son propre dauphin. Bon, maintenant, c'est pas fait, son fils est là. J'aurais voulu qu'il soit comme le père, mais malheureusement, le combat du père n'est pas le combat du fils. C'est pas le même vogue, c'est pas le même vague. Président Bienvenu Bambalé, la sortie médiatique du chef de l'État, ça fait aujourd'hui polémique à travers la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a réagi, Denis Sesanga a réagi. D'abord, pour introduction, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette sortie médiatique du chef de l'État? En tout cas, pour ma part, c'est un non-événement. Le chef de l'État nous a insultés. Puisqu'il nous a insultés, pourquoi dire qu'il a voulu changer l'homme zaïrois à l'homme congolais? Moi, je me dis très bien. Si nous, zaïrois que nous étions, vous n'étiez pas des gens instruits, vous n'étiez comme des animaux, et vous, devenir je ne sais pas d'où, voulez nous changer. Et pendant que nous, on était zaïrois, on avait une carte d'identité, on avait un passeport. Pendant que nous étions zaïrois, mais vous étiez qui? Vous vivez où?
faut qu'on se pose la question. C'est lui-même qui a ouvert vraiment une vague. Il a ouvert un paragraphe. Nous, on était Zaïrois. Nous, on était qui? On sait que le chef d'État est venu quelque part avec son père. Ils étaient où? Des Zaïrois à 29 ans. Il a vécu où, dans quel pays? Dans ce temps-là, dans ce pays-là où il vivait, il portait quoi comme identité? Attention, pourquoi je avec les gens? Pour ma part, c'est une insulte. Là, j'ai rejoint Caméré, il doit faire des excuses. Le Congolais, les erreurs que nous étions, on l'a accepté. Le Congo, ce n'était pas un royaume. Son père est rentré avec lui ici. Son père est mort, on l'a nommé président. Il ne devait pas être président au Zaïre, au Congo, puisque nous ne sommes pas un royaume. On l'a accepté, après qu'il fasse des élections en 2006 pour faire asseoir son autorité. Et puis, en 2011, et puis là, maintenant, cette fois-ci, il dit, voilà, il n'a pas de quoi faire les élections. Non, c'est une insulte. Et puis qu'ils disent que voilà, que pour son sort, il ne peut pas le dire, son sort est lié à la constitution, qui demande à sa petite sœur de donner la constitution. C'est terre à terre. Moi, je peux t'appeler demain, monsieur, mon petit frère, en pleine interview? Non. C'est un chef de l'État qui parle. C'est solennel. Il ne peut pas dire à un journaliste, petite sœur, prenez demain la constitution. Donc, on voit que nous sommes dans une république. Le fils de l'homme devient le président, le frère intouchable, la sœur, puisque voilà, c'est presque ça. On lui pose une question, on dit, donnez ma petite sœur une constitution, ma petite sœur. Est-ce que monsieur Trump, est-ce que c'est Macron, mauvais? Est-ce que c'est mauvais lorsque les garants de la nation parlent avec gentillesse devant le peuple congolais? Monsieur, vous savez, il y a des discours solennels ou discours enfantins. Quand un chef d'État parle, il a mis un costume noir. Chemise blanche, cravate noire, c'est solennel. Je me suis même bien en costume vert, monsieur, c'est pas solennel. Vous comprenez? Le jour où vous m'invitez, si je viens dans votre bureau, je mets un costume noir, chemise blanche, cravate noire, c'est solennel, monsieur. Je dois être là, sans rigoler, sans faire de blagues inutiles, c'est solennel. L'air est grave. Quand je suis habillé comme ça, oui, je suis pas dans un tennis. Ça, c'est un tennis festif, un tennis de tous les jours. Je peux dire ce que je veux, je peux rigoler. J'ai pas un tenue solennel. Si vous mettez un noir blanc ici, monsieur, je ne ferai même pas des gestuels comme ça. Je serai posé, je contrôlerai mes gestes. Là, je transpire, je me suis. C'est pas solennel. On discute, vous et moi. Mais là, c'était pas ça. Un chef d'État pendant 5 ans n'a pas parlé. Monsengo l'a fait parler. Ah, donc vous encouragez aujourd'hui, Monsengo? Évidemment, monsieur. Mmh. On a un chef d'État, ça fait 5 ans. On a tué les gens ici. L'évasion au niveau de Makala, il n'a pas parlé. On a vu Kassai formater l'exode de nos Congolais partir en Angola. Chef d'État, pas un mot. Pendant 5 ans, mon cher ami. Alors là, Monson a sorti le genre dans cette marche-là, où il y a eu 5 morts le 31, 6 morts le 11. Ça l'a titillé, puisque le mot médiocre qui a été sorti, tout le monde s'est levé. Il a parlé. Moi, j'ai applaudi Monsengo. Vous rejoignez aujourd'hui Vital Kamerhe? Non, je ne rejoins personne, puisqu'aujourd'hui, moi j'aurais voulu, c'est... Mais lorsque vous donnez des encouragements aujourd'hui à Vital Kamerhe, en oubliant que Vital Kamerhe a écrit un jour un ouvrage, pourquoi j'ai voté Joseph Kabila? Non, Vital Kamerhe aujourd'hui, il cherche à se blanchir. C'était comme à l'époque de l'IMT. Les gens, quand ils étaient sales, venaient à la blanchisserie pour se blanchir. Vital Kamerhe, si vous voulez pas, moi j'ai vu le 19 septembre, quand on se faisait tirer, pendant les marches, tout ça, Kamerhe n'était pas là. Quand on sait j'étais canardé, bombardé, le INT sur enseignement était gardé par le Bandamoura. Le siège de INT, gardé par le Bandamoura. Le lendemain, j'ai vu Vital Kamerhe, j'étais appelé, nous combattants, au dialogue de l'OIA. J'ai reçu cette place. Et tant que j'ai représentant de la diaspora, j'avais cette place pour y aller. Moi, reste Kazadi, d'autres amis. J'ai dit non, on ne peut pas y aller. J'ai été approché par Vital Kamerhe, que nous allons, parce que nous, combattants, on pèse, il fallait que nous soyons là-bas dans cet dialogue. J'ai dit non, monsieur. J'étais encore au niveau du renseignement. J'ai refusé mais cette place. Il est parti. C'est lui qui a conduit, en tant que modérateur, ces dialogues de l'OIA. Pendant ce temps-là, il a touché des perdièmes. Quand tu rentres dans ce dialogue, on touche l'argent. Donc quand tu manges l'argent du pouvoir, donc tu n'es plus dans l'opposition. C'est peut-être pas gratuit. Chaque jour, vous étiez payé. Si j'aurais voulu gagner l'argent, ben, j'avais cette place. J'ai ramené ma délégation des 5 continents dans ces dialogues-là. On était payé. Équivalent à $250 par jour. C'est beaucoup. Mais ça ne m'a pas intéressé. Donc, Vital Kamerhe aujourd'hui,
qu'il fasse un face-à-face avec le chef de l'État, c'est pour essayer un peu de se blanchir. C'est vrai, c'est la politique. Bientôt, il aura les élections. Il cherche en même temps aussi l'électorat des Congolais. En disant que voilà, maintenant, c'est vrai, il a contredit, parce qu'il lui connaît bien le chef d'État. Oui, si c'est pas faux, il a travaillé avec lui. C'est vrai, c'est lui qui a fait sa promotion. C'est lui qui a fait lancer le PPRD. C'est pas faux. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État nous a insultés. Moi, j'ai aujourd'hui, clairement, quand je vois les discours des chefs de l'État, je me dis, mais il est entouré des professeurs. Comment on peut laisser un chef de l'État faire un discours? Lui, il pense parler au peuple congolais, mais dans ce discours-là, ses propos les condamnent. Un discours qui n'a pas de fondement, un discours qui n'a pas de sens. On ne doit pas laisser le chef de l'État dire des choses pareilles. Ok, qui s'attaque aux Belges parce qu'ils ont coupé les relations, parce qu'ils ont coupé le fonds. Le Congo, mon pays, n'est pas un pays à vendre. Mais mon cher ami, je suis un panafricaniste dans l'âme. Vous parlez avec quelqu'un qui est connu en Europe, donc activiste. En France, je suis connu activiste. Un MIDC, c'est moi en France. Je suis connu là-dedans, dans tous nos services. Ok? Aujourd'hui, le Congo, je ne laisserai pas entre les mains de qui que ce soit. Toujours voulu le Congo par la force, par l'arme, je ne sais pas quoi. Je vis en France, monsieur. J'ai les capacités de ramener ici tout ce que tu veux, de prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, j'aurais voulu que les choses soient un peu proportionnelles. On vous coupe un peu, je dirais, l'aile sous pied, pour d'autres raisons. Vous pourrez aller fermer une maison Schengen. Une maison Schengen, ce n'est pas pour les Belges, tout seul. C'est pour toute l'Europe. Bon, la fermeture de maison Schengen, qui perd aujourd'hui entre nous et les Européens? Les Européens, ils ne perdent pas, parce qu'aujourd'hui, les visas, les ambassades sont là. Les gens, ils vont aller chercher le visa dans les ambassades. C'est juste ça. Sauf maintenant, ceux qui travaillent dans cet espace, peut-être qu'ils vont être un peu casés par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, pour ma part, donc, c'est sans réfléchir. J'aurais voulu tous ces professeurs, le NEMI, ceux qui sont autour des chefs d'État, qui puissent les conseiller pour ne pas qu'il y ait un peu n'importe quoi. Merci. Très chers téléspectateurs, il y a Congo Lipanda, tu as mis mon amboka. Bienvenue Bambalé. Dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État a parlé de la processus électoral, que les élections coûtent cher en République démocratique du Congo. Et puis, il a évoqué encore la mission de la MONUSCO. Votre analyse sur ces deux points? C'est là où je me dis, vraiment, qui conseille le chef de l'État? Alors, c'est facilement, c'est un ballon d'un C. On ne peut pas dire qu'il faut que nous puissions faire un choix. C'est comme si un père de famille qui dit à ses enfants, en tout cas, mes enfants, vous êtes 8 à la maison, mettons la vie coûte cher, ou bien vous mangez une fois par jour, et puis faire un choix de ne pas aller à l'école. Pourquoi on fait des enfants? Pourquoi vous avez fait 8 enfants? Il les garde là-dessus. On ne peut pas faire un choix entre le développement et les élections. Ça va ensemble. Les élections, c'est ça qui amène le développement. Parce que chaque année, ok, le pays a une somme d'argent qui est destiné pour les élections. Au bout de 5 ans de son mandat-là, cet argent-là qui était destiné pour les élections est parti où? Qui l'a utilisé? C'est lui qui est le responsable. En 2006, il a eu les élections puisqu'il était contraint. Il y avait Jean-Pierre Mémarras, un homme avec aussi des hommes, plus des armes. Donc il a fait les élections ensemble. On a eu 1 plus 4. Il n'avait pas le choix. En 2011, il a fait les élections puisqu'il voulait se représenter. Maintenant, là, ses mandats sont terminés, il ne peut plus se représenter, il ne peut plus faire les élections. Donc, malheureusement aussi, dans l'opposition congolaise, on a des gens qui comprennent mal. Là, j'ai lu encore un monsieur que j'ai respecté beaucoup, Fayoulou, qui dit carrément, je ne sais pas s'il a compris ce qu'il a dit, on doit poster élection en 2019. Ça veut dire pour Fayoulou, par exemple, les élections cette année, on ne peut pas le faire, mais on peut les projeter en 2019, puisque ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, mais on peut aller aux élections 2019, mais sans Kabila. Donc ça rejoint à ce que Félix avait dit, traiteur de 6 mois sans Kabila, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le mettre en place. Rodolphe Mouzito qui dit tout haut, que sans transition sans Kabila égale Kabila au pouvoir. Mais vraiment, oui. J'ai l'impression que tous ces gens-là, ils font des passes à Kabila. Moi, j'ai vu Félix poser des actions, mais ces actions n'ont pas pris feu. Aujourd'hui, j'ai pu encore féliciter Monsengo. Si ce n'était pas Monsengo, peut-être le 31 décembre là, on a failli le passer, mais sans rien. Puisque la dernière marche de l'opposition tout entière, 19 décembre, il n'y a eu rien. Il y a eu un loupé. Donc c'est Monsengo qui vient un peu de
il réveillait tout le monde. Maintenant, je vois tous les opposants, ils deviennent Banama, Yamalongi. Alors, à l'époque, on partait à l'Imété pour chasser Kabila. Maintenant, c'est l'Imété qui part à l'église pour chasser Kabila. Vous comprenez un peu? On partait à l'Imété pour chasser Kabila, nous tous les opposants. Parce que la force était l'Imété. Maintenant, l'Imété elle-même, qui quitte l'Imété pour aller à l'église pour chasser Kabila. Donc, l'opposition a failli à sa mission. Ils ont échoué. Pas failli, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu. On a un général en face qui n'a pas pu aller mener de bataille. J'avais dit avant cela, j'ai dit au général qui était là, changer les stratégies, lui donner le commandement à ceux qui maîtrisent les terrains. Vous êtes un combattant, mais d'une autre génération. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui dans notre classe politique? D'attendre les élections ou de faire appel à la politique de la rue? Parce que le président de la République était clair qu'il n'y aura plus référendum. Et puis, dans son discours, il n'y aura plus de troisième mandat. Mais s'il n'y aura plus de référendum, pourquoi tenter les choses? Jusqu'aujourd'hui, ils ont lancé la loi électorale. Cette loi-là a pallié beaucoup de problèmes. Pourquoi maintenant nous imposer cette machine à tricher? Parce que dans ces machines-là, il y a beaucoup de, vous avez des atouts. On peut le proclamer à l'avance. Sauf que c'est bien qu'aujourd'hui, le peuple congolais l'a vomi. Malheureusement, aujourd'hui, il dirige sur défi. Dans ces machines à voter aujourd'hui, ça prépare réellement pour lui une victoire. Donc, il faut que Nanga fasse tout possible pour nous amener dans ces machines. Nanga a dit, s'il n'y a pas ces machines-là, il n'y a pas l'élection. Du coup, depuis quand Nanga peut nous imposer quelque chose? C'est écrit dans quelle constitution? Donc malheureusement, puis le peuple congolais, nous-mêmes aussi, nous sommes naïfs. C'est vrai, tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur d'aller en prison. Et c'est vrai, mais vous resterez dans l'esclavage. Aujourd'hui, le peuple congolais est pris sous esclavage, sous pression de ses autorités. Et puis l'opposition qui devait chasser Kabila, je suis désolé, il n'existait plus. Tous les grands opposants qui se revendiquent, les grands leaders, puis nous sur eux, mais ils ne vaut plus rien. Ils font des bruits inutilement. Mais dans le concret, on ne voit rien. Kabila aujourd'hui, il a peur de personne dans cette opposition-là. C'est pour cela qu'on voit ce d'État qui vient, qui fait un discours, plaisantin, puisqu'en face de lui, il n'a plus un homme qui pourra les résister. À l'époque de Jean-Pierre Mbemba, il a accepté 1 plus 5. Il y avait un président avec 5 vice, avec 4 vice-présidents, qui même en face avait les armes. Donc aujourd'hui, peut-être Kabila, il comprend mieux quand en face de lui, il a des hommes qui répondent comme lui. Aujourd'hui, en face de l'opposition, il y a quoi? Marche pacifique, ville morte, ça ne l'intéresse pas, il s'en fout de ça. Quand vous appelez le marche, on dit oui, j'ai pas pu sortir, on m'a encerclé, j'ai pas pu sortir, mes commandants ne sont pas venus. C'est pas des faiblesses, ça. Moi, j'ai vu le père, marié son âge, 48 ans, j'étais encore enfant, sorti dans la rue, s'est fait malmener, tiré par gauche à droite et à l'époque du Zaïre. Alors, marié à son âge, là, le papa, 84 ans, je l'ai vu résister. Mais le fils qui a pris maintenant 55 ans, bon, il a encore la force. Mais pourquoi ses actions n'ont pas abouti? Pourquoi ses actions n'ont pas payé? Alors, il faut poser la question, est-ce que la population aujourd'hui se rend compte que le commande est pareil? Donc aujourd'hui, malheureusement, nos opposants, ils sont complices avec Kabila, ou bien sont, je dirais, dans l'infériorité, dans l'incapacité de nous débarrasser de Kabila. Mais malheureusement, c'est eux qui ont pignon sur eux, c'est eux qui ont. Les gens, aujourd'hui, malheureusement, congolais, il est aussi fanatique. Quand vous montrez aux gens que voilà, monsieur, vos leaders, oui, c'est vrai, c'est un combat pacifiste, c'est très bien. Aujourd'hui, Kabila, il ne partira pas avec nos villes mortes, nos marches pacifiques. Aujourd'hui, le marche de Monsengo, il y a eu 5 morts, le 31. Le 21, il y a eu 6 morts. Vous marchez pacifiquement, monsieur. Rends-moi la main, on vous tire dessus. Nous, à l'époque, on a fait des marches, le 19 septembre, c'est vrai, dans ce marche-là, s'il y a eu des morts, peut-être on pourra dire qu'on a cherché un peu. Les enfants, ils ont chanté, ils ont insulté, ils ont cassé. Ok? On peut dire, voilà, cette marche-là, on a provoqué un peu. Il y a eu des morts. Maintenant, là, c'est plus les mêmes marches. Les gens sortent vraiment pacifiquement avec des rameaux. Vous mettez à genoux, on vous tire dessus. Vous pensez que ça peut continuer comme ça? Il faut changer, monsieur, de stratégie. Changer de choses. Mais qui veut le comprendre, ces discours-là? Quand vous expliquez à nos soi-disant grands leaders, le monsieur qui est en face, là, lui, il est rentré ici, monsieur, un soldat, un commando. Donc, vous, quand vous parlez avec qui sur un papier, c'est pas son truc, monsieur. Il comprend pas cela. Vous avez vu votre dialogue, il n'est pas respecté. Les écrits, le propos, le dialogue fait à 98%. 2% qui manquaient, il a torpillé, il a demandé trois noms. Alors, c'était pas dans l'accord. Il vous a divisé pour régner. Merci, président. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot. En tout cas, mes chers compatriotes, moi, le constat pour ma part, le constat est amer. Parce qu'aujourd'hui, moi, combattant, je suis arrivé au Congo
20 mois après, je me rends compte que le Congolais lui-même est le porte-malheur de sa vie. Les Congolais lui-même, ils ne veulent pas se libérer. Bolivar, c'est un peuple. C'est un peuple qui s'est libéré. Mettons, le peuple congolais a la peur, a la trouille. Le leader congolais, les grands leaders qui ont pignon sur eux, qui ont plus de monde que nous, ils n'ont pas la stratégie. Ils ne veulent pas aussi céder leur place. Du coup, ils confisquent le choix. Ils se disent grands leaders, malheureusement, sans vision, sans stratégie. Le Kabila peut rester encore là, je vous dis, jusqu'à 2021. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle d'enroulement de nous, de la diaspora. Nous sommes dans 5 continents. Sans l'enroulement de la diaspora, il n'y aura pas l'élection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi? Nanga va vous amener dans l'enroulement de la diaspora qui pourra finir 2021. Donc, dites-vous, Kabila, vous avez encore Kabila à la fin du pays qu'à 2021. Et si vous ne réagissez pas aujourd'hui, pour aller les chercher, il ne partira pas. Merci. C'était bien Benny Bambalé à chaud dans son bureau. Il a répondu avec son cœur le propos tenu n'engage qu'à l'invité. Sans la poster à l'écran émission Congo Lipanda ou Bengi Bisson à numéro Ezawana. Tous en a net, tous en a peine à un écran visiblement la République démocratique du Congo. Nous avons besoin. Il y a bateau opposition, il y a société civile, il y a majorité présidentielle. Ndebango Toyambara na 4 émission point de vie. L'émission point de vie, c'est l'église au milieu du village. Notre numéro, c'est le 089. 00 60 149, donc plus 243 89 00 60 149. Moi, c'est votre humble serviteur Billy Capessa, le fils du Saint-Père de l'église Armée des Victoires. J'ai dit merci au producteur exécutif Jimmy Adjoki depuis Paris. Ciao. Congo Lipanda. Azili kanisi ya malamu puna kosepelisa banambuka Kongo. Kongo Lipanda, asalili bango Kongo Lipanda. Peninga puna kuyeba historia Kongo, landa Kongo Lipanda.